Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Go et Café. On affronte un joueur euh, indane, on lui dit bonne partie, et on est blanc. Ok. Donc là c'était lui qui a proposé la partie, on a 15 minutes chacun, plus... Alors je vous mets là, il y a 6-5 de komi, et 5 fois 30 secondes. Ok. Avec japonaise classique, on va faire deux komoku opposés. Lui il a fait dokomoku komoku, mais de façon à jouer plutôt Shimari. En général avec noir on fait deux on fait plus rarement de Komoku opposé, on aime bien faire cette disposition pour pouvoir par exemple jouer R15 et menacer de faire un deuxième Shimari, un deuxième verrou de coin directement. Et dans ce cas, là, là on viendrait empêcher ce deuxième Shimari. Mais ici, il propose d'approcher un bord. Pourquoi pas Le bord est très large comme on a joué de Komoku opposé, donc ce bord-là est intéressant pour les deux joueurs. On va récupérer le coin. Pourquoi Parce que ça va être dur de récupérer d'autres coins comme il n'y a aucun Oshi. Donc en termes de balance de territoire, il vaut mieux prendre du cash tout de suite. Et avec ce joseki-là, on va récupérer le sente. On joue ici et il joue vers K4 ou approche directement de notre coin. Ça c'est possible aussi. D'accord. En vue de si je joue le même joseki, si je vais en P3 et qu'on fait la même chose quand il protège et que je protège. Il peut jouer au milieu et ça fait l'extension à la fois de ces trois pierres en devenir ici et de ces trois ici. Donc c'est pratique. On va pas lui laisser faire ça alors. Si on pince proche, ce dont j'ai peur c'est qu'il vienne directement en L3. Il prendrait une extension un peu plus large ici, mais en même temps je pourrais pas vraiment punir parce que il pince ma pierre. Ma pierre en, en N3. Donc il faut que je m'en occupe également. Si je commence à jouer par là, j'aurai une pierre isolée ici, une pierre isolée là, une pierre isolée ici. C'est un peu dangereux. Donc en fait, si je pince ici, j'ai bien envie de pincer un peu plus loin, en M3 par exemple. Comme ça, s'il fait son extension, bon au moins c'est son extension naturelle. Je pense que c'est ce qu'on va faire ici, en bas ou en haut. Et si jamais il va dans le coin, on fait un je sais qui classique ou on pourra s'étendre ici, en extension naturelle, sans être trop proche de ces pierres. On va faire ça. On pense un tout petit peu plus lointaine. Et si on prend notre extension naturelle, on n'est pas trop proche de ces trois pierres non plus. Il vient de ce côté, d'accord, on défend le coin. Souvent il y a des joseki avec euh, Q3, mais si notre pierre est en N3 justement, et pas en M3. On joue par ici. Et lui soit il saute, soit il va vers euh, O5, soit je crois qu'il y a un coup vers R6 ici plutôt. Mais ça ça marche très bien. Ça Marche très bien aussi. Ok, il veut tout englober. Je pense que si je vais par là, il y a des chances que je le fasse hein, parce que s'il si enferme, c'est très désagréable pour Blanc. Donc on va aller par ici. Mais en fait, il peut pousser une fois. Ça, c'est un peu dommage par contre. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait besoin. Sa ça, ça pierre à la base avait 4 libertés, on pourrait dire. Maintenant, ces deux pierres, juste avant ça. On avait combien 1, 2, 3, 4. Et finalement, ici, il a juste dit, euh, bon, sois bien sûr de connecter. C'est dommage, parce qu'il aurait pu garder euh, cette possibilité pour plus tard, pour une menace de co, pour un bon DOC, si jamais on ne sait pas ce qui se passait par ici, etc. Donc ça, c'est un coup qui ne sert euh, pas à grand-chose. Mmh. Donc là, maintenant, il faut trouver le timing. Bon, est-ce que j'arrête Allez par là ou lui, quand est-ce qu'il arrête de pousser par là, et le premier qui réussit à sortir ou couvrir ou n'importe quoi. Ce qu'il y a, c'est que ici, si je ne rajoute pas de coup, il peut faire année, je défends, et il peut faire double année, et complètement fermer cette zone-là. En tout cas, de ce côté. Mais en même temps, si je continue, qu'est-ce qui se passe Je vais ici, il monte. Je fais un Kosumi ici. Et là, il a le choix. Soit il couvre ça, soit il continue à développer. En gros. Je pense qu'on va faire ça. On vient en R10, qui continue. Ok, c'est marrant qu'il ait envie de forcer à chaque fois, parce que ça revient à la même chose. Hein. C'est comme s'il avait joué ici, et que moi j'avais joué là, et que finalement il force et je protège. Mais ce, cette pierre-là, comme celle-ci, elle ne sert pas à grand-chose finalement. C'est un peu dommage. Et il bloque de ce côté. D'accord. Donc, maintenant, la question est, comment est-ce que je m'occupe de cette pierre Parce qu'effectivement, hein, je ne vais pas m'amuser à laisser à noir toute cette zone ici. On pourrait tracer un trait de là, tac, sur OGS, il y a des traits c'est pratique. On peut dire que tout ça, ici, c'est le moyo de noir. C'est un gros territoire potentiel. Donc, on peut imaginer plusieurs choses. Déjà, combien de directions est-ce qu'on a Donc la direction vers le centre. Ça en fait une. Et la direction vers le bord. Est-ce que c'est vraiment une direction Parce que quand on fait la direction de base de vie, celle-ci sur le bord, c'est en présumant qu'on a assez de place pour vivre. Est-ce que ici j'ai assez de place pour faire deux yeux Je ne pense pas. Donc j'ai l'impression que cette pierre, elle n'a qu'une seule direction. Donc même si je sors, on n'aura toujours qu'une seule direction. J'ai l'impression que cette pierre, elle est un peu lourde. Il faudrait plutôt l'utiliser. L'utiliser comment euh, en approchant par ici, par là j'ai l'impression, une zone par ici, ça me dirait bien, l'utiliser un peu comme appât. Et en fait développer une force sur l'extérieur un petit peu avec 2-3 euh, pierres et finalement que lui il utilisait toutes ses pierres pour prendre entre guillemets que euh, les territoires sur ce bord. -là. Donc on va essayer de trouver un coup qui soit à peu près sympathique. J'hésite, K5 et L6 m'attirent plutôt bien. Je me demandais aussi si le K4, ça allait, mais ça a beaucoup renforcé l'adversaire. J'ai l'impression que ce coup-là est pas si mal. Parce que quand il vient ici, ok, si il veut y aller direct, on peut aller là, et euh, finalement sa forme n'est pas très belle. On voit qu'il y a une faiblesse directement même en J3. Pas très agréable pour lui et nous on fait une forme quand même plutôt solide par contre maintenant je pense qu'on doit rajouter un coup donc on l'a écrasé sur la quatrième ligne c'est plutôt pas mal je pense maintenant on va rajouter un coup pourquoi parce que si lui même joue par ici finalement ces trois pierres là peuvent se faire attaquer sauf que comme elles ne produisent pas grand chose ça nous embête de les aider et encore une fois ça donnerait tout le, la totalité à noir donc on va sortir de manière légère On va Faire ça, j'imagine garder euh, les possibilités de J3, etc. pour plus tard. Il prend un coin, d'accord. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, maintenant, c'est un premier temps de pause. Ce groupe là est solide. Ce groupe là est solide. Celui-ci, il faut il est difficilement attaquable, mais il faudra quand même surveiller pourquoi? Parce qu'encore une fois, il faut trois directions pour être sûr d'être tranquille. On est à combien Une vers le haut, une vers la gauche. Donc on a deux directions. Parce qu'il y a une troisième direction, la vie euh, locale. C'est pas vraiment facile de la trouver. Donc ce groupe-là, il faudra soit, il joue, soit jouer tout de suite avec, soit se dire bon, euh, je fais un coup amashi. Un coup amashi, c'est euh, faire exprès, euh, intentionnellement. Ignorer une, un groupe qui est pas tout à fait solide pour jouer ailleurs, jouer un grand coup. C'est un, un peu euh, assumer euh, de laisser des, des petites faiblesses derrière en disant ça va aller, euh, ce que je joue est plus gros. Et je vais vivre quand même tranquillement, sans donner trop à l'adversaire. Là, ici, ce que je vois, c'est qu'il a pris un chimarié, comme on disait au début, on a envie d'empêcher un deuxième chimarié. S il devient en R15, il a deux coins sûrs, c'est quand même assez gros. Ou alors, les autres choses, c'est de voir. Ok, le bord nord est intéressant. Il est assez gros. Par exemple, venir approcher par ici, ça a l'air intéressant. Ou le bord gauche a l'air assez large également. Sauf que le bord gauche, il est intéressant pour noir. S'il rajoute un coup vers C10, c'est intéressant. Hein, c'est en chimarié tourné vers là. Mais blanc, comme je suis vachement écrasé ici, c'est beaucoup moins intéressant, ce bord gauche. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'on fait Si je viens ici, je pense. Bon, déjà tous les pinces, tout ça, ça existe pas trop. Mais je pense qu'il va soit kick R16, je monte, et étendre. Soit étendre directement. Mais déjà, on va faire ça. Il étend de cette manière. D'accord. Au moins, il n'a pas pris de chimari. On voit qu'il a fait P16. Donc, ça me donne un peu des indices. C'est, il veut développer plus le nord que le bord ouest. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme approche sur ce coin Comme approche classique, on pourrait avoir des coups comme d16, mais également f16, ou on peut faire des coups à l'épaule tout simplement aussi. Qu'est-ce qu'on fait On va réfléchir un petit peu. Bon, un peu le café avant qu'il refroidisse. Ça serait bien. On va faire ce coup-là. Il a l'air de s'installer. Je vais un petit peu plus provoquer des séquences sur ce bord nord. Voilà. Il veut se développer sur ce bord nord, mais là, il joue un deuxième coup en troisième ligne. Je pense pas que ça lui fasse très plaisir. Et là il me semble que la séquence c'est je vais en d16. Et quand il va en d17, je peux aller en c15. Et je crois que l'atari pour lui c'est une mauvaise idée. Tac parce que s'il traverse, je peux prendre atari ici. Après il développe beaucoup de ce côté. Hmm. C'est pas évident. Ça fait longtemps que j'ai travaillé ces séquences, donc euh, il faudrait que je les revoie. C'est dans une vidéo, vous aurez le lien en description de, de la page de Mathieu de que vous connaissez sûrement euh, tous, euh, qui a parle, pas mal parlé des séquences modernes sur ces chimeries. Vous avez regardé il y a quoi, il y a 6 euh, mois, 1 an Dure de se souvenir de toutes les séquences. Je me souviens notamment que s'il avait répondu E16 et qu'on allait nous-mêmes en G17, c'était une erreur pour lui de protéger. Parce que c'était surconcentré. Ok. Donc là ça je vais arrêter de parler de ça parce qu'en fait, je ne pensais pas du tout à ce coup. Et tout de suite, j'ai envie de jouer le Sansan. Pourquoi Parce que si je joue Sansan et qu'il fait Atari en D17, je protège. Ces trois pierres sont connectées et ensuite il a, euh, on peut couper par ici, on peut couper par là, ça a l'air compliqué pour l'adversaire. S'il fait Atari de l'autre côté, je vais là, il a encore plusieurs points de coupe également. Tac, Atari, je vais là. S'il protège cette coupe, hum, je ne sais pas. Sinon on a ça, qui n'a pas l'air incroyable. Si je viens ici, il peut tout simplement monter là, je connecte, il défend son coin, et c'est vraiment moche. Et le crosscut, ça donne quoi Donc, crosscut, il défend en noobie, souvent après un crosscut, euh, euh, vous faites un noobie. Donc là, il fait là, en C17, et on ne peut pas obtenir grand chose non plus. Donc, j'ai l'impression vraiment que ça va être ce coup. récupère le coin et on lui donne encore une fois beaucoup de force à l'extérieur donc euh, ce n'est pas idéal pour, euh, pour blanc euh, oui pour blanc parce que là je fais atterrir ici il va là je descends hein. il faut bien il faut bien vivre parce que ici ça a l'air dangereux tout de même s'il vient en b17 que je protège il protège je vais en a18 il va là quand je descends, en fait, il peut mettre atterri sur ces quatre pierres. Donc on est mort. Il faut agrandir notre espace vital. Il vient là, d'accord Encore une fois, il faut dire. Et voilà, il peut fermer de tous les côtés. Donc c'est quand même bien problématique. Et il vient ici. Et là, on voit noir un gros potentiel ici, noir a un gros potentiel là, noir a déjà pas mal de cash ici c'est assez compliqué, dans la partie on va dire que là j'aurais 5 points, là j'en aurais 10, 12 et là j'en ai quoi j'en ai... aurai une quinzaine donc une quinzaine plus euh... ouais j'ai une trentaine de points, plus c'est 6,5 commis on va dire j'ai 30... entre 35 et 40 points ce qui n'est pas beaucoup et lui, combien il en a déjà ici en bas, là il va en avoir une quinzaine sur va dépendre de qu'est-ce qu'il fait avec ces deux zones là. En tout cas, avec ce coup, il menace de venir directement en B5. S'il vient en B5, euh, imaginons je joue ailleurs, s'il vient en B5, si je connecte mes pierres, il peut glisser en B6 et je ne peux pas aller en B7, je suis obligé de revenir ici. Parce que si je vais là, il coupe, j'ai deux libertés contre lui 3. Le SGF sera en description. Euh, et si je bloque, il monte, je bloque, il vient ici et il menace de faire des coupes partout. Donc euh, ça marche pas très bien pour nous. Le problème c'est que si on touche, il monte et il est très content d'avoir des murs aussi loin. Donc il faudrait peut-être faire ça. Mais il saute et il est quand même content. Donc est-ce qu'on laisserait pas la faiblesse Car il y a plus gros ailleurs. Comme un coup à l'épaule ici. Ou euh, une approche par là. Je ne sais pas. La position de blanc n'est pas très enviable. Je pense qu'on va écraser. Parce que cette pierre d'écrasement... Déjà menace de couper, et en plus vient prêter un petit peu main forte à ce groupe-là. On saute, on joue léger. Il vient au milieu, on fait Atari, et. Comment est-ce qu'on connecte ici Je pense qu'on va connecter en dur. Souvent, j'essaie de trouver des formes assez agréables pour jouer léger, mais ici, comme on a un groupe d'aide à côté, peut-être jouer costaud. Et la bonne voix. Il protège et 7, on peut revenir par là. Si je reviens par ici, ça a l'air pas mal. Jouer en direction de mes pierres et finalement ici on réussit à développer un petit truc intéressant. Toutes ces pierres jouent bien ensemble. Ok. agressif hein. il vient directement taper dans la forme euh, si je viens ici effectivement je fais une forme où il joue au milieu et c'est pas très enviable pour blanc tac noir je peux aller là cela dit tac s'il pousse je vais ici il coupe seconds. atari One, tac two, atari three, ça a l'air d'aller finalement five, six, seven, on peut faire ça sinon je pensais à un coup comme j8 mais dans ce cas là on voit que je me soumets beaucoup à son coup alors qu'ici, j'abîme je, je, sa pierre en soi. Je pense que ça, c'est une erreur. S'il connecte, on peut capturer ici. En plus, il abîme la position de ce côté. Est-ce qu'il est pas un petit peu trop gourmand ici Il a joué très rapidement hein, il faut dire. S'il connecte. On peut jouer là. Il sort, on va ici. Atari, tac, capture, on refait Atari sur le tout. On revient là. Pousser, on va ici. Ça a l'air compliqué pour lui, non il est en train de lire la même séquence. Ça, c'est une erreur à ne pas faire, notamment. C'est, euh, je joue la séquence. En tout cas, le, la première moitié. Et après, je lis. Ça, c'est un peu dommage. Bon. Qu'est-ce qu'il en est 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Kosumi. En fait, quand je bloque ici, à un moment, s'il a joué ses coups là, même s'il peut faire Atari, je recule, mais en reculant, je mets Atari sur cette pierre, donc je vais regagner un petit laps de temps. Du coup, il vient par ici. Je peux aller là, non Tac. S'il pousse ici, que le tigre. S'il pousse là, tac. Ouais. Et maintenant, il veut couper ici. <laughs> il est très agressif. Hein. Est-ce que j'ai le droit de faire atterrir comme ça Tac. Il vient ici. Et je vais là. S'il sort, je vais ici. Alors, je fais à taille comme ça, il va ici et je fais un kéma. Blanc, One, noir, blanc. J'ai l'impression que j'ai le droit. On va voir ça tout de suite. J'ai l'impression. Ah, s'il si connecte directement, peut-être. Là, je dois pousser là. Il va ici, je pousse là. Il va ici. J'aurais euh, gagné. J'aurais 4 libertés. Et lui, 1, 2, 3, 4. Donc ça va. J'ai pas pensé à ce coup-là. Là, là j'ai un. J'ai joué trop vite, moi également. J'ai pris trop de temps sur le début de partie également à expliquer. Après, voilà. Il y avait que 15 minutes de temps principal. Et là, il lui reste beaucoup plus de temps. Pour bien jouer la partie que moi. Heureusement c'est des périodes de 30 secondes donc on a quand même le temps. Va pousser ici et il va vouloir sortir j'imagine. S'il pousse là que je vais là, Atari, tac. C'est pas évident pour lui hein, franchement. C'est pas évident du tout. J'ai l'impression que ça passe plutôt bien euh, ce genre de guetta élargi. Et là, s'il connecte ici 1, 2, 3, 4, 5, oui, mais pas vraiment. On bloquer. Je crois pas que ça marche ça. Parce que s'il vient là maintenant, Atari, tac, on bloque là. Et même s'il peut faire des suites d'Atari, hein, euh, ici, il, reste, il restera 3 libertés quand lui, il lui en restera que 2. Marche pas très bien. Il fait attaquer comme ça, d'accord. Il vient ici. Non. Même raisonnement. Je capture directement la pierre. J'ai trois libertés ici. Et lui, il n'en a que deux. S'il connecte, il en a fait trois, mais c'est à moi de jouer en premier. Donc là, il m'a donné beaucoup de pierres. Il a vraiment trop insisté sur ces séquences-là. On vient prendre les pierres, c'est déjà un très gros gain, même s'il nous force à capturer. C'est pas bien grave. En plus, nous forcer à capturer, c'est... C'est plutôt intéressant pour nous. On n'a plus besoin de surveiller ça. Donc maintenant, on peut regarder et on se dit on n'a plus de gros de faibles. Et maintenant, il veut développer le nord, mais en face, en fait, je peux, je peux aller jusqu'ici hein, facilement. Pourquoi Parce que ce groupe-là est très puissant. Ici, je me demande si je ne veux pas plutôt me diriger vers le coin, comme je suis vivant de ce côté. C'est plus J'ai pas grand-chose à produire three, ici, donc c'est pas peut-être plus intéressant de venir five, de ce côté. Six, seven, eight. On va essayer de pas de perdre trop rapidement nos périodes. Et il bloque ici, d'accord Il bloque. Et en soi, il n'y a pas grand chose pour lui non plus à développer de ce côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le coin. Euh, faire Saint-Atari, je pense que c'est une erreur. Ça, ça, c'est attirant, hein Mais on fait Saint-Atari, tac, et finalement, on doit protéger. Et lui, il a son bloc solide. Alors que si on protège directement, plus tard, on peut approcher en faisant des O17. D'accord On revient vivre ça ça suffit non tac s'il vient là on va là il doit descendre mais on vient ici ou alors on vient là il va là on va ici et à la place de descendre il va ici mais dans ce cas on va rentrer 18 nous même et s'il vient en q19 attention à ne pas bloquer sinon c'est la forme en 5 et il va en s18 on est mort donc c'est vraiment le s18 là ce qui est important euh, s'il vient en q19 on va en S18 directement, en fait, tout simple. Et on a deux yeux. Voilà, il essaye de faire le nord. Le problème, c'est qu'il y a une faiblesse. Il y a un petit peu d'edgy avec cette pierre. Donc, on va pouvoir faire quelque chose, je pense. Attention à mon coin, seconds. par contre. One, Parce que two, depuis tout à l'heure, je regardais ça. Three, ça ressemble à une séquence four, classique, mais ça l'est pas, non Tac. Six, seven, eight, nine, je crois. J'ai un gros doute depuis tout à l'heure, en fait. Il faut réduire ce bord non À venir ici coup de sonde j'ai pas vraiment le droit de faire ça parce qu'il vient ici je dois répondre et ensuite je peux courir donc c'est surtout pour menacer de rentrer plus profondément cette pierre on veut réduire au maximum il fait Atari il fait Atari mais finalement, il perd beaucoup d'espace. D'accord. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux On vient ici. Juste pour créer un peu plus d'adji de ce côté. Non, c'était pas incroyable. C'était pas incroyable ma séquence. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Non, c'était vraiment. J'ai lu quelque chose qui ne marchait pas du tout. Tant pis. Ten seconds. One, two, three. Ouais, C'est nul. Euh, maintenant. Five, six, seven, eight, nine... On peut encore rentrer par ici. Donc on va rentrer. Ah il m'a donné 5 minutes Oui oh, il est gentil. Je lui ai dit merci quand même. Euh, C'est gentil de sa part. Il avait vraiment pas besoin. C'est de ma faute hein, si je suis en bio. Hop. On avance tranquillement. Et si on vient ici... Je sens que si, il m'a répondu ok. Euh, tac. Si je viens ici, qui bloque là, je vais là, il bloque. On peut aller ici. S'il bloque là, on peut aller là. Il bloque, on va ici. Et il peut pas vraiment sortir, j'ai l'impression. Donc il protège. Très bien. On va venir là. Hein. Euh, Est-ce qu'on fait cet atari Tac, il répond, on vient là, il recouvre, on va ici, il protège, on va là. Et il peut pas bloquer parce que grâce à cette pierre on peut faire des, une suite d'attaque. Donc ça ça a l'air intéressant. Hop. Mais on a quand même donné beaucoup 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 de points. Cette réduction était un gros échec. C'est dommage. C'est dommage c'est dommage. Il vient comme ça, d'accord. On va jouer ailleurs hmm. On va jouer ailleurs. Ici, c'est toute sa zone de territoire et ça protège notre faiblesse qu'il y a ici. Voilà, maintenant, quand il viendra ici, on pourra bloquer. C'est plus intéressant. Et ici, il n'a pas envie vraiment de nous donner la possibilité de rentrer. Donc ça c'était un coup important je pense. Ensuite, on a dans le coin ici, ça a l'air intéressant aussi. Ici tac tac tac. Je viens là. Je viens ici. Je vais là. Non, ça ressemble mais en fait c'est uh, si, si j'avais trois pierres ici et que ça faisait uh, 2 3, pardon. Si j'avais trois pierres ici et que ça faisait cette forme de gueule de tigre. Là oui, il y avait la faiblesse. Là non, je crois que ça passe. Mais comme ça ressemble énormément, euh, j'arrête pas de re regarder, de me dire mince euh, c'est faible ici. Par ici aussi, il y a des petites choses. Si je vais là, ça menace de pouvoir aller par là. Il n'y a pas des petites choses. Ah, j'ai l'impression. Et ces trois pierres-là, dommage que ce ne soit pas bouché de ce côté, sinon on pouvait vraiment attaquer de manière agressive. Là, ici, j'ai plus envie de jouer tout simplement au centre. Voir, est-ce qu'on peut venir jusqu'ici Tac, il recouvre. Euh... Non, ça a l'air très risqué de faire ça. Si je fais ça, tac, tac, il vient là, et il fait les points finalement, donc c'est pas intéressant. J'arrive pas à trouver quel... quel serait le meilleur coup. Tac, tac, tac. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu Il capture derrière, donc non. Juste séparer en fait. Sûr qu'il ne joue pas lui-même ici et qu'il fasse pas les points. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est que quand je joue H2, rien n'empêche ne de descendre en F2, ce qui m'en de connecter ici ou de remonter encore. Et il abîme pas mal seconds. le coin. One, two, three, four, en five, même temps, si je joue là, tac-tac, tac, comme on seven, disait. Eight, Après, je vais être tenter avec ça. Je vais tenter, c'est gros le coin. C'est un gros coin, c'est intéressant. Nine, c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai l'impression que c'est gros ce coup. On a l'impression que ça aussi c'est mais En fait, euh, il joue Q19. Et je peux pas capturer la pierre. Sinon, il joue ici. Et je suis marre. Donc ça, c'est un... Je peux pas vraiment venir. Là. Je vais venir par ici. Très bien. Vu euh, sa réponse très rapide, il doit euh, se dire Je suis en avance, je ne vais pour rien. Pareil ici, hein, si je vais là, tac, 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 il peut faire Statari et après il y a pas mal de problèmes. Donc en fait, je peux pas seconds. trop venir par ici. One, ici, c'est goûté. À venir par là. Ce qui menace de jouer un peu avec toutes ces coupes de venir ici, de venir là. Très bien, Donc on vient ici, il va mettre Atari j'imagine, très agressif, Atari de ce côté. Tac, ici je vais là, ici je vais là, il connecte, je reprends la pierre, il fait Atari, je vais là, c'est ça son plan, d'accord Truc, c'est que s'il vient ici, que je vais en R12, euh, s'il fait cet Atari, je m'en fiche de cette pierre. On reconnecte là et il pourrait perdre le tout, donc c'est risqué. S'il vient ici, oui. Bloqué comme ça, et il prend plutôt la pierre ici. Est-ce que c'était si intéressant Je ne sais pas. ça me fait regretter les séquences par ici parce que maintenant quand il prend la pierre on a des menaces de d'arrêter le guetta ensuite on peut jouer par là ce qui menace de couper ici et ensuite on peut descendre il y a des petites séquences donc là c'est un peu embêtant de... Oh D'accord lui il se dit euh, je veux pas sortir là parce que quand il bloque tac tac et on arrive ici je pense que c'était plus solide de jouer le 2 b si je joue par ici... Ça a l'air intéressant, non Comment est-ce qu'il répond ici Ensuite, j'ai un coup en O5, comme on disait. Ou alors par ici, tac tac tac, Atari tac, Atari tac, et capture. Ten seconds. One. Je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Je suis sûrement passé à côté d'une séquence intéressante, notamment si je n'avais pas joué cette séquence avant. Protège, il a peur de se faire couper on avance hein. on abîme ses formes et là c'est là où il y avait des petites menaces plus tard dans la partie il y aurait eu tac où il veut protéger et ensuite on aurait pu venir en j3 j3 ça aurait été plus intéressant et là pour le coup le effacer enfin, un peu la séquence qui se passait ici quand je vous parlais du j3 yvan j2 et je vais en h1 ça ça avait beaucoup plus de sens du coup euh, avec seconds. des situations 1, comme ça 2, 3, 4, 5. Non, ça me sert plus à grand chose. Hum, non j'ai pas grand chose. Qu'est-ce qu'on peut faire Tac. Ça. Hein. Ouais mais quand il protège là, il a ce point-là qui sera intéressant. J'ai pas très bien joué encore une fois. C'est dommage. Parce que là quand il vient en euh, P7... Bon, D'accord, ici on va protéger. Euh, quand il vient en p7, il aura plus tard le coup n6 qui menace de connecter ici, donc euh, je protège, mais également d'aller par là et ça lui fait une gueule de tigre, donc je ne peux pas revenir en p6. Donc ce coup-là, je ne pourrais pas l'empêcher. Après, il n'a pas joué, donc je peux venir ici. Et venir ici c'était santé et maintenant quand il vient ici ben je bloque et s'il avance je vais là donc il vient de perdre la faiblesse ce dommage après il a joué des gros coups également hein. il faut ça c'est sûr on va jouer ça en tant que c'est santé tac je risque rien ici hein. j'ai deux libertés s'il pousse on recule et s'il pousse là on va là s'il pousse là on va là donc ça va j'ai le droit de faire cet attaque Il vaut mieux vérifier et s'il va ici, je vais là, ouais. Ensuite. On a bien réduit le bord en vrai, hein, mais on aurait voulu plus. C'est grâce à cette séquence, c'est pas celle là. Euh, cette Atari, je sais pas. Ça aussi, ça va créer des petites faiblesses dans ses formes. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quel est le plus gros goûter Parce que là j'ai que des goûters quasiment. Bon bah après j'ai ça qui est sympa. Tac, si on capture, on peut pas vraiment me protéger sinon on lance un coup. Donc voilà, on un petit scent. Euh, ensuite, ça c'est goûter. Ça c'est goûter. Ça c'est goûter. Mais quel est le plus gros goûter En fait lui-même s'il vient ici, c'est goûter pour lui. Donc ce goûter là pour moi est pas si gros. Celui-ci, il est déjà un peu plus gros parce que si je vais là, c'est goûter pour moi. Mais si lui, il vient, c'est santé pour 1, lui. Donc ce côté-là est 2, plus gros que celui-là, si 3, vous voyez ce que je veux dire. Et celui-là, c'est goté 6, également pour lui. Je vais venir là, ça semble gros. C'est ici, d'accord. Il a plus de santé que moi, je pense. Oui, ça c'est important, je pense. Oui. Tac, 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 tac. Ça, je pense qu'il aura envie de le jouer. Euh, que d'autre Cet Atari là, en soi j'ai pas envie qu'il prenne cette pierre, ça fait un point, la pierre prise, un deuxième point en dessous, plus le Q16. Donc ce coup-là, s'il prend, ça fait pas mal de points, même les points ici. Ok, là il vise clairement d'aller ici. S'il vient ici, là si je réponds pas, il vient ici. Ça menace de venir là pour capturer toutes ces pierres, donc je protège, mais ensuite il vient là et capture tout ça. Très bien. Donc là il voulait que je réponde, ah non je veux en M11, comme ça c'est non non, il serait revenu. Faire attention. Quoique, il pouvait pas revenir tout de suite, mais en tout cas oui, il faut faire attention à mes formes, que je perds pas de ça. Si je protège, il peut descendre, ce qui lui donnera la possibilité de faire T11 plus tard. Donc autant faire ça d'abord, il peut pas avancer, hein, c'est Atari. Il recule, je protège. Mais il a pas il a pas été en S12 au moins. Quoi d'autre, quoi d'autre Fait du petit temps de pause pour vous dire euh, si vous avez aimé la partie jusque là, elle est bientôt finie, euh, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Merci beaucoup. Qui joue de ce côté Très bien. Est-ce que ça me menace vraiment Est-ce que j'ai pas un Sente quelque part J'ai ce Sente hein, qui n'est pas incroyable, mais c'est Sente quand même surtout pour pas perdre la période. Beaucoup de goûter, hein, c'est incroyable. Est-ce que j'ai pas des coups. intéressants par ici. Hmm. Tac. Je fais atari en haut. Je fais contre Atari. Capture. Je reviens là. 10 seconds. One, two. Three, non, rien de spécial. Four, On va venir là. Rien de spécial. Ici, il faudra qu'il fasse attention à ses libertés. On ne sait jamais. Avec des descente ici. Normalement, ça doit aller. Hein. On ne sait jamais. Ten seconds. One, two, si il sort three, sa pierre ici, il peut la sauver. Donc, j'ai pas trop envie. On va jouer ce coup qui réveille un peu les possibilités ici. Hum. Marrant cette réponse. Parce qu'il peut toujours pas sortir. Par contre, là, il a Stataris. On va venir là. Tac. Il vient ici, je viens là. Non, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Qu'est-ce qu'on qu fait three, four, five, hmm. six, seven, eight, nine, Pas grand-chose. Pas grand-chose. Euh, là, ce qu'il veut maintenant, c'est venir ici, je capture, comme ça il peut venir là et essayer de faire quelque chose ici. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais... Tac, tac, tac. J'ai vraiment aucun santé, hein, c'est incroyable. Tac, tac, tac. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial. Par là, ok, recule On peut-être peut, peut venir par ici. Ça fait un point, mais un point quoi. Et ça abîme pas ses formes parce que dès que je pousse, je me mettrai un atari en fait. Ici, s'il pousse, que je vais là, il pousse, je vais là, ça empêche pas mal de points. Autant protéger la forme, j'imagine. R1 aussi c'est assez gros. R1 est gros. On a pris les quatre coins. Une partie du centre. Normalement ça doit aller. On avait compté tout à l'heure. On doit avoir 55 points à peu près. Je ne sais pas compter ça. Un peu plus de 60. Et lui... Ah oui, il gagne en fait. <laughs> j'ai l'impression qu'il est 1, 5 en avance. J'ai peut-être oublié des points 3, à moi, mais j'ai l'impression qu'il est 5, devant. D'accord. Mince. mince. Mince, mince, mince. N'attendez pas à être en retard. Bon j'ai compté très vite, hein. peut-être que j'oublie des zones, mais... J'ai l'impression qu'il est en avance. Hein. Oh, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas vraiment de santé, hein, comme on dit. Ici, ça peut être intéressant de pousser pour qu'il ait des coups à rajouter. Même, on aura ce coup qu'on pourra rajouter, donc c'est intéressant. Toujours intéressant d'empêcher qu'il fasse deux, deux espaces ici. Ah, il m'a encore rajouté 5 minutes non mais il faut qu'il arrête enfin il est confiant hein, il a gagné euh, selon lui donc on va bloquer comme ça il faut qu'il fasse attention à ses libertés hein. bien là on pouvait pas bloquer hein, sinon il allait ici on capture snapback problématique. Il vient là, d'accord. Est-ce qu'il y a un problème 1, 2, 3. S'il vient ici, Atari, tac, il coupe. Atari, tac, on vient là. On peut faire Atari, tac, venir là. Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un problème One, Tac, tac, two, tac, tac. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... De toute manière, après le F1, il y aura forcément un problème, je pensais. par là, on protège. Il fait Atari, on protège. Ouais, on a perdu. Mince, mince, mince. Atari, on protège, ça c'est très gros. Il vient par ici, on protège. Il fait tous ses synthés, tous ses c'est ça le problème aussi. Alors, c'est gros, hein. S'il capture, ça menace pas mal nos pierres. Et il vient pas ici, d'accord. On va faire de nos séries d'attaques aussi. Une série de 1. Ah, il ignore. Hmm. Il capture la pierre, ça menace passer au-dessous. Cette pierre est gratuite. Ok. Maintenant. Et maintenant quoi Ici on peut pas faire le point. Ici il peut pas retirer le point. 1, Donc 2, tout ça il y a beaucoup de miailles. Pour tirer un point ici. 8, 9, Je vois pas grand-chose d'autre. Venir par là. Servez-vous même, hein, c'est un point. Il reste des coins, hein, un point. On doit perdre de 5-10. Si j'ai bien compté tout à l'heure, bien sûr. Hein, il faut partir de ce principe aussi. Et là, il a ça. Qu'est-ce qu'il aurait d'autre Pas grand-chose. On est sur la fin. Ouais, il a peur. Hein. Mais De toute façon, il devra rajouter un coup un jour. Euh... Oui, il doit rajouter un coup un jour. De toute manière. Si on joue là, on dit qu'il devra en rajouter encore, un. parce qu'on mettra en intérieur un jour c'est pierres. Mais ça vaut autant que allez là. Ah bon, il le ah c'est ouais il répond. En même temps oui s'il répond pas et qu'il protège, on peut avancer encore. Donc ça revient encore quand même. Viens ici. On vient ici. Un point est un point. Capture cette pierre. Où il a ce point ici ce point est plus important ah oui il a ce point aussi. tac et ça parce que ça c'est un demi point hein, s'il capture et c'est pas sûr qu'il gardera la pierre donc, un co on dirait on, un co sans valeur comme ça on va dire que c'est un demi point il menace pas de tuer un groupe ou n'importe quoi il joue de ce côté bon on joue de ce côté ah oui mais il peut jouer ça hmm. donc on va perdre ce point forcément Bon on va jouer ailleurs alors. perd seconds. le point. Quoi qu'il arrive. Oui mais on perd des points de toute façon. Ah bah ben non je suis bête. Oh là là. Désolé. Hein. J'avais pas vu cet œil là. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo. Désolé. <laughs> Pour cette Gauchy notamment. Mais sûrement plein d'autres personnes aussi. Hein. Euh, tac tac tac. 10 on One, peut protéger ça. Hein. Two, three. Ouais, aveugle. 4, hein. Franchement, 5, complètement aveugle. 6, Après, j'y retiens 7, un point, hein. ça revient à la même chose, 8, mais bon. 9, ça revient à la même chose. Mais je dis n'importe quoi. Il devra compléter ici. 1, 2, oui, on va protéger, oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Et il n'a qu'un seul 8, groupe. Nine. Il a un seul groupe sur le goban. Tac, 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 tac. Ici, ça connecte, ça connecte. Et hop, ça fait le tour. Il capture ça, et ça a l'air fini. Alors, on va quand même vérifier deux secondes. Tous les frontières, il y a des damés. Damés, c'est les coups qui servent à rien. Euh, T16, T13. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Tac, on compte les points de l'adversaire. Hop, tac, ouais, il gagne quand même de 5, 10, c'est ce qu'on avait compté. C'est ce qu'on avait compté. Ouais, il gagne quand même largement hein, sur le goban parce que j'ai le commis en plus. Ouais, hop, et voilà. Ah, zut, hein, zut, zut, zut. On n'a pas très bien joué cette partie je pense. Euh, je vous ai mis le du coup le SGF en commentaire. En commentaire, en description. Je vous mets aussi le lien pour Ace and Et cette fois-ci, euh, je n'ai pas vraiment le temps pour la, la review, donc cette fois-ci on va s'arrêter là. Euh, N'hésitez pas si vous avez la moindre question dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre mieux. Euh, et on, on verra peut-être cette partie du coup ce soir. Donc on est le 1er février. Euh, pour le stream du jeudi 1er, du coup on va sûrement voir euh, cette partie. Donc euh, pour, comme je la publie le 2, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch. Il y aura sûrement la, la review de cette partie dans les euh, rediffusions. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine à tous. Bon week-end. Et à la prochaine. Salut.